Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une revue sur la dernière gamme sortie par la marque Jeanne en Provence qui s'appelle donc Rose Envoûtante. J'ai reçu 4 produits sur les 5 que compte la gamme. En ce moment sur mes trousses, vous avez un test pour gagner un produit de cette gamme. Donc il y a 50 personnes qui pourront le tester gratuitement. Donc je vous dirai après lequel c'est. Donc j'avais déjà parlé du groupe Arthès. Donc ils font des parfums en grande surface et ils ont une autre marque qui s'appelle Jeanne en Provence qui est à Grasse, qui est établie à Grasse depuis 78 et qui fait du parfum d'ambiance, des parfums fins et des produits pour le corps. Et ils ont sorti une gamme avec la rose de mai, donc la rose de mai parce que elle est ramassée au mois de mai. Le site Jeanne Arthès en dessous, je suis désolée, j'ai un petit peu du mal à faire cette vidéo, ça fait 2 fois que je recommence parce que je suis un petit peu fatiguée légèrement, comme d'habitude, mais on va y arriver. Donc j'ai testé un parfum, une crème riche pour le corps, un gel douche et il y a un savon solide que je n'ai pas encore testé. Donc ces produits sont très accessibles, pardon, et de très bonne qualité. C'est des produits qui sont sans parabènes, non testés sur les animaux et sans matière Le animale. premier produit dont je vais vous parler, c'est celui qui est actuellement en test sur Mitrousse. Donc c'est la crème corps ultra riche qui est dans un joli petit pot comme ceci qui fait très vintage, très années 50. Et c'est une crème très gourmande. Voilà, c'est vraiment une texture. Voilà, ça a l'air comme ça. Elle n'est pas épaisse, hein, mais voilà, c'est riche. Mais en même temps, quand vous l'étalez, ça s'étale tout seul. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé. L'odeur qui reste sur la peau est très délicate. Et pour la belle saison qui arrive, c'est vraiment sympa. Enfin, si la chaleur veut bien arriver. Moi, je sais, ma blague, elle est nulle, mais putain, même s'il fait beau ici, enfin, il fait pas chaud. Hein. Après, alors attendez, je vous dis les prix publics. Donc là, c'est 6,90 €. Donc vous voyez, c'est vraiment très accessible. Après, il y a un gel douche en 250 ml. Donc là, j'ai eu un format voyage. Qui lui est à 4,50 €. Et voilà, c'est un gel douche très agréable, très léger. L'odeur n'est pas trop forte et ça mousse vachement bien. Donc j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a pas mal de glycérine dedans et c'est très bon pour la peau. Le savon, donc, il se présente comme ceci. Là, je ne l'ai pas encore testé, mais bon. C'est un petit savon à la rose, quoi. Hein, et pareil, il coûte 1,95 €. Et le parfum, c'est 8 € les 60 ml ou 12,50 € les 125 ml. Donc moi, je l'ai en 125 ml. Il s'appelle Un matin dans la roseraie. C'est à la rose et à l'angélique, comme ceci. C'est un parfum que j'aime beaucoup, qui est très frais, très léger. Ma fille peut aussi me le prendre. Et voilà, c'est un peu la redécouverte de la rose qui pour moi faisait un petit peu entre guillemets mamie, mais alors là pas du tout. Donc voilà, si vous voulez tester des produits accessibles, frais et pas chers, écoutez, vous pouvez trouver cette gamme en grande surface. Et sur le site Jeanne en Provence, ben, vous avez les points de vente. De toute façon, comme d'habitude, vous avez toutes les infos en dessous. Et pour le jeu avec Bitrousse aussi. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Cette vidéo a été un petit peu difficile. Donc j'espère que bientôt j'arriverai à vous faire d'autres vidéos. Pour le moment, c'est pas évident avec voilà, les changements dont je vous ai déjà parlé. Mais j'ai pas mal de trucs à vous parler. Donc le site Cosmetic for Less. Donc j'ai fait une première commande. Le site Mua où j'ai fait une première commande. Et mes derniers produits Dior que je trouve magnifiques, j'ai eu pour mon anniversaire un petit peu en avance. Donc là, c'est un rouge Dior que je porte, c'est le 743, donc c'est le rouge Zinnia. Donc voilà, je vous parlerai tout ça dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous.
N'oubliez pas aussi de participer à mon concours Zombifiez-vous. De toute façon, vous avez la vidéo qui est dans le petit coin là. Je fais des gros bisous à tout le monde et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock and roll. Blabla.